Yes, salut tout le monde, c'est Jean Bloquet, on se retrouve pour ce 39e épisode du Let's Play d'Avatar Frontier of Pandora. Oui, je pense que c'est bien le 39. Bon, regardons. Parce que... J'ai eu le 37, j'ai tourné le 38 précédemment, et là c'est le 39. Et je suis à 87% du jeu. Comment je le sais? J'ai dû relancer le jeu en mettant les paramètres d'avant. Donc... J'essaie de bien remplacer le micro pour éviter trop de bordel. Donc on va continuer avec la quête principale, maintenant qu'on a un niveau assez élevé pour la faire. Celle-ci, on a fait... On a... Donc ouais. Et ça paraît moins brumeux quand même. Est-ce que je peux me TP à proximité du truc et aller en... Je pourrais pas faire ça hein, si tu me demandes ça. Hein. Ah, y a pas un TP à proximité. Ah si, les pâturages. Donc oui, parce que ça a impacté un peu le OBS aussi, donc les paramètres. Je me sens seul ici, Saint-Aylan et Nol. Moi, nous sommes nombreux. Plus je dois me montrer forte. Il nous faut un leader, une personne de confiance. Pourquoi pas, Tufi? Je pense beaucoup à elle. Elle a réussi à surmonter de terribles épreuves. Elle nous a aidés. Je sais qu'elle saura reprendre la tête de son clan. Il s'est passé tant de choses. On connaît la vérité maintenant. Et il nous reste encore beaucoup à apprendre. C'est vrai. Mais c'est dommage que ce soit fait dans le sang et la douleur. Je suis désolée. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui m'écoute, autre que Cortez. Elle m'évoque un nuage chargé de pluie. Mais au lieu des gouttes, ce sont des excuses qui pleuvent. Et je ne suis pas encore prête. Je dois encore réfléchir. Et tu as des choses à faire. Ouais. Ah, on va essayer d'être prudent. Attendez, on se place bien. Est-ce que le micro... Le monde tremble. Il essaie de se débarrasser de ses parasites. Priya pense que c'est encore la faute de Mercer. Mercer. Un autre petit soldat récitant les paroles de la RDA. Tu as vu Rinella? Est-ce qu'elle va bien? Des Sarentou en auront besoin, une fois que vous aurez repris votre place auprès des clans. Mais il est encore trop tôt, concentrons-nous sur la bataille à venir. Par contre, il y a un truc que je veux faire. Ça a retiré le marqueur que j'avais dans le coin, sûrement. Donc ouais, ça tient... on est dans le rush final, comme je l'avais dit. Hein. 87%, c'est pas loin. J'ai fait, je sais pas si la petite mission que j'ai fait derrière elle a servi à quelque chose, à grandir le truc de l'histoire. Mais 87%, c'est beaucoup. On est passé de 80 à 87. Avec le, juste la quête pour les souvenirs. Donc imaginez quand même. Bon, et après, il reste 4 missions, un truc comme ça. On va essayer de les faire. Hein. On en voit le bout. Hein. Je pensais qu'il allait être plus court que ça, ce jeu. Mais entre mon skill et mon envie de me déplacer et tout ça sur des trucs. Promotion de l'Alliance, c'est-à-dire ? Donc ouais, ça a fait que... Qu'on a rallongé, que quand tu fais des quêtes à droite à gauche, que tu cherches à gagner en level... Ça prend du temps.
C'est ça qui provoque les secousses? Ouais, ça doit être cette foreuse. Le sol doit résister. Pandora se laisse pas faire. Tu la respectes ou elle te tue. Comme le désert où j'ai grandi. Je l'ai seulement vue en photo. On s'est fait envahir, nous aussi, il y a longtemps. Ils voulaient notre pétrole. Ils pensaient que le désert était inhabité. Mais un vrai désert, c'est puissant. Tu m'étonnes. C'est beau et plein de vie. Toujours une histoire de ressources, hein. À la fois le même et en évolution. Ce que fait la RDA à cette terre, c'est un crime. C'est pour ça qu'on doit les arrêter. J'ai pas réussi à m'approcher, mais je suis sûre que... Mais what? Les arches, là. On va les dégommer, les abrutis, là. C'est bon, hein. Je vais mettre ma tenue d'écolo. Des essois ont chassé par ici. Appelle Priya. Je vais chercher des survivants. Priya? Priya, tu m'entends? Réponds-moi. Allez! Matos de merde. Priya! La RDA a fait sauter les arches. Les arches. Ouais. Je vais aller chercher les survivants. Roche. Hein. Mais c'est dingue quand même. Si tu te rends compte, c'est... En vrai, ça te fait réaliser certains trucs. Mais c'est vrai qu'on fait certains trucs à notre planète qui sont horribles dans ce sens-là. Va. Rejoins Ewa. Mais en vrai, je suis sûr que si on arrivait à visiter d'autres planètes et qu'elles étaient habitables, on ferait exactement pareil. C'est ça le pire. C'est ça qui est dingue, quoi. De toute façon, tu vois tous les trucs américains et tout ça. T'as toujours un truc avec un délire d'exploitation et tout ça, des ressources de d'autres planètes et tout. Quelqu'un m'entend? Je ne peux pas. Un autre encore. Sûrement, on accède de l'autre côté par là. Mais ouais. Ah, les cailloux suspendus. Ah, ils ont disparu. Tu te rends compte? Regardez, je sais pas ce qu'ils ont tenté de faire, mais vous voyez tous les dégâts que ça fait. En tout cas, la mise en scène est vraiment sympa parce que tu ressens un peu la... On va dire un peu le... La détérioration. Tu vois, on passait d'un truc un peu verdoyant et tout ça à vraiment un truc très sombre. Tu sens que la mort elle est présente. On dirait des tranchées, vous savez... Comment ils sont représentés, les tranchées des guerres mondiales, là, quoi, tout. Okay. Repose en paix, tout ça. Et là, on marche sur des cadavres dans le plus grand des calmes.
tant de gens sont morts. Bah ouais. Hein. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de monde là depuis tout à l'heure, on croise. Hein. Je crois qu'il y avait un appareil et tout qui m'éclairait d'un coup. Ça. En fait, c'est ça qu'il veut faire dans ses films, là, dénoncer ce qui peut arriver à notre planète si on continue à faire des merdes comme ça. Hein. C'est juste des petits enculés avec des machines et qui foutent la merde. Père, attends notre retour au camp. Je ne peux pas y aller seul. Bah viens avec moi. Je vais faire payer ton chagrin à ceux qui l'ont causé. C'est une hécatombe. Tous ces morts. Toutes ces vies détruites. Je vais au site de forage, là. Pour que ça ne se reproduise plus. Forcément. Et mince. Il faut que j'aille plus haut que ça. Sorti de la zone de quête. Ah bah... Tu m'entends, Priya? Ouais, je fais très bien la radio qui déconne. Ah, il faut rigoler de temps en temps. Il y a la mort qui nous entoure là, il faut rigoler. C'est la première fois que j'ai le truc comme ça, zone de quête. Je vais pas continuer comme ça éternellement. Putain, il y a vraiment beaucoup de cadavres. C'est surtout la question. Ils cherchent quoi dans le sol? Sérieux? Je continue en bas? Ok, bah continuons par le bas. Peut-être qu'on se fasse coincer en dessous un caillou le jeu. Mais moi ce qui m'intrigue le plus c'est qu'est-ce qu'il cherche vraiment. Oui là depuis tout à l'heure on est en train de faire des trucs mais qu'est-ce qu'il cherche vraiment. Je vais aller sur la lumière. Ah, tiens. Ça va. Pas passer. Au moins j'essaie de repérer tout le monde. Comme ça c'est fait. Ok. Bon on peut pas passer par là. Bon, on passe par là. Ici ouais. Je vais grimper. Laissez-moi grimper. Disons.
plateforme de forage. Priya, je suis sur le site. Dis-moi comment faire. Là, j'en fabrique un, des flèches. Parce que... Là, on manque. Voilà. J'aurais testé, j'aurais tenté. Hein. Mais attends, il y a des trucs en hauteur. Ok, il faut que je monte, quoi. Par contre, avec l'hélico qui repasse, va falloir que je fasse attention. Allez, grimpe. C'est qu'une roue, là. Arrive vite. T'es lui. Il est là-bas le cadavre. Ah oui, je suis full. Quel genre de missile? Soigne. Bon, comme d'hab, hein.
Désolé. Je voulais pas faire ça. Je passerai pas par là directement. Quelque chose. Ouais, dans ta tête. T'es sûr? Ah, viens, montre-toi. Comme d'abord. T'as la cible en quoi? Il était là. On soupçonne pas assez la puissance du pompe là. Puissance du pompe. On va de l'autre côté parce qu'il y a un truc en hauteur donc... Donc autant aller... Je traque l'ennemi. Faut que j'aille à sa rencontre. Parce que si prenez le truc. Ouais, moi aussi j'ai trouvé l'ennemi. C'est quoi? Y a des mecs qui se déclenchent, qui apparaissent entre deux ou quoi? Présence hostile confirmée? C'était vraiment proche là. Juste en dessous.
Mais à chaque fois que je tire sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui réagit. Non mais je vais plus m'en tirer là. Non, faut que j'arrête de tirer. On va y aller tranquillement. Ouais, parce que je me suis amusé à détruire tout le monde, mais... Tu m'étonnes. Allez, on a presque fini. Encore un tir ? Apparemment. J'ai stoppé le lancement. Ils ne pourront plus rien détruire. Pas d'ici, en tout cas. Ouais. S'assurer que ça n'arrive plus. Ouais, t'as raison. Bon, les données. Récupère tout ce que tu peux. Va à la salle de contrôle et télécharge tout ce que tu trouves. Il faut qu'on découvre le plan de Mercer. Par là ? Ok. Mais est-ce qu'il y a des ennemis là-bas ? Ouais, je pense qu'il y a des ennemis, hein. Mercer. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi ? Bon, on n'aurait pas d'histoire, on pourrait pas... C'est vrai que j'ai dégommé beaucoup de trucs, mais j'ai jamais rechargé.
Il y a trop de monde là. Quoique. Je dois trouver un terminal de téléchargement. Ouais, pour l'instant, tu as tout bon. J'aime mes flèches. Tu l'as vu celle-là aussi? Pas sûr. C'est une belle flèche. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de fouiller, en vrai. C'est là-haut. Là, on va prendre le temps de fouiller, en vrai. Il me faut des mules. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi peu de monde, ici. Ouais, ça pue. J'ai pris des gants tout à l'heure. J'ai pris des gants pour le perso tout à l'heure, alors que j'aurais dû prendre la coiffe. Parce qu'en plus, là, les gants là, que je viens de débloquer, ils sont pas plus supérieurs que ceux-là. Mais assez pour justifier qu'on puisse prendre le gant. Qu'on puisse pas prendre le gant. Ça, c'est comme d'habitude, il faut savoir avant. Moi, je récupère tout ce qui traîne. Parce que... Il nous faut des ressources. Oui, c'est bon, je vais aller chercher, je vais aller trafiquer ton truc. Ça pue le piège à plein. Moi, j'avais. Il pouvait pas anticiper, mais je... c'est un peu trop calme ici. Je sais pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a alimenté qu'un seul truc. Après, je n'ai pas été regarder l'autre bout, donc. Je vais devoir réactiver certaines de ces machines pour accéder aux données. La foreuse est désactivée. Il ne reste que des capteurs. Ça fait bizarre. J'ai tellement l'habitude de détruire ces trucs. Retourne leurs équipements contre eux. Montre-leur ce que ça fait. Eh merde. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, eux? T'as l'autre là-bas et t'as l'autre là. Ok.
Je mets le truc de temps en temps pour voir s'il y a des menaces. T'as les deux au bout là. On se rend compte qu'il y a, il y a un bins. Pas. Non, c'est pas les trucs qu'on récupère des. Bizarrement, si. Alors, pop. Non, je vais aller trop loin. T'imagines, tu te fais attaquer pendant que tu es en train de faire ça? Ça marche. L'autre maintenant. Ok. Mais ouais. Je sais pas ce que ça va faire, mais ça promet. Hein. En tout cas, on va essayer de finir la mission dans cet épisode. Ouais, on va essayer de finir un truc. Je regardais l'heure si je pouvais étendre un peu. Bon, je savais bien que ça allait pas être aussi facile. Ah, ils sont en mode recherche. Moment qu'ils alertent pas derrière moi, ça va. Bah vous avancez ou vous décidez là? On est marre. J'étais en train de me poser la question. Quand est-ce qu'ils allaient me tirer dessus? J'ai eu ma réponse. Hein. Il a pris tout son temps pour me tirer dessus. Oh. Il y a du monde. Des sondes pour moi, je suis juste ici pour tuer des amis. Tu es là.
Toujours reconstruire des flèches entre deux. Ok. Voilà. Je vais aller récupérer les petites babales là-bas. Ah, c'est fusillon de fusil d'assaut, il va falloir un chupin. Alors, réactivons cette machine. Ok. C'est par là. Oh, si, c'est par là. Ah non, il y a un petit passage par là, regardez. Hop. Ouais, et au téléchargement, je pense que je vais me faire avoir, c'est ça. Là où j'avais nettoyé la zone, comme par hasard, il y aura du monde. Ouais, on essaie de courir. Pas évident. Je veux savoir, de toute façon. C'est quoi ses plans. Limite, il y a une mission par épisode. Pas mal, ça. Comme ça, vous avez l'intégralité de la mission dans l'épisode. Ça change un peu. Je crois que ça risque de prendre un moment. Prépare-toi à accueillir les renforts avant de commencer quoi que ce soit. Réserve-leur un accueil chaleureux. Je lance requête. Vite, vite. Ouais, je suis aveuglé. Sur les données. Donc ça doit être important. Parfait, ils nous les font.
Faut que je fasse attention à chaque fois. C'est quoi la mission? C'est gentil, mais... Bon, alors... Allez, on se casse. Y'a plus les bottes là-bas? Cet endroit pourri aurait bien besoin d'une bonne station. Il aurait besoin d'une bonne quoi? J'ai pas saisi. Parfait. C'est si loin que ça? Attends, ça a pas l'air d'être si loin que ça. Ok. Plus ça a l'air d'être si loin que ça. Je peux pas faire un voyage rapide, donc... Je regarde si je peux faire vraiment un voyage rapide. Quelque part. Ouais, ça veut dire que je peux pas y aller. De la triche, ça, monsieur. Ah, 48 minutes. Oh non, allez... Les épisodes longs. L'épisode long des enfers. Enfin, ça va, pour l'instant, ça a l'air d'être un épisode sur deux, donc. C'est là-bas. Je peux appeler. Le mec, il va mettre une flèche à son. Régale-toi. Oh. Il doit avoir des dingueries. J'ai envie de savoir. Bah après, ouais, on fait des épisodes plus ou moins longs. J'avais promis de le finir, celui-là. Oh, c'est pas grave. Hein. On a dévoué toutes nos... Toute cette destruction avec une seule charge. Quel cauchemar. On espère que c'est safe, hein. Mais vu que j'ai pas pu me TP, j'ai l'impression que ça pue un peu, tu vois. Tu peux apporter ça à Priya? Ce sont des données de la RDA. Oui. J'ai essayé de la contacter, mais la connexion était foireuse. Ce qui s'est passé ici, ce désastre, ça me donne envie de piloter mon Samson vers l'horizon et d'aller le plus loin possible. Je m'étonne. Anka, on va les arrêter. Toi, oui. Les navis, oui. Mais les humains. Même en faisant de notre mieux, je sais pas si on peut vous être très utile. Allez. Bon vol à toi. Merci. À toi aussi. Bon, on a terminé la truc. On va peut-être pouvoir s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Comme ça, on réduit le truc. 10 minutes de plus que d'habitude. Ça va, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se laisse... On se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Je sais pas ce que je voulais dire. Enfin bref, allez, ciao, bye bye.